Salam alaikum les gens, Bassem Benicieux 69200. J'aimerais remercier de tout cœur, parce qu'on parle jamais d'eux, parce que tout le monde s'en bat les couilles, ils ont pas des gros culs, ils ont pas des gros seins, à tous ces soldats du web, ces soldats de l'ombre, tous ces hackers, toutes ces personnes qui, avec qui on est en contact, qui grâce à nous, nous, j'englobe tout le monde, on arrive à résoudre des enquêtes que même la police ne sait pas faire. On a tout avant eux, toutes les informations avant eux. Parce qu'alhamdoulilah, nous sommes une communauté éparpillée dans tout corps de métier. Et on a, moi personnellement, on a la TH de l'ombre. C'est des gens que tu verras jamais. Mais c'est des gens qui te sortent tout sur ta vie jusqu'à ton trou du cul. Et on ne parle pas assez d'eux. On ne parle pas assez d'eux, on ne les met pas en avant. Parce qu'ils ne veulent pas se mettre en avant. Parce que c'est des gens qui travaillent avec le cœur, ça. Nous réussissons à avoir les infos, nous réussissons à être sur le terrain avant même les journalistes qui sont payés pour. Alors que ces gens-là le font avec le cœur à titre gratuit. Tout, évidemment, c'est une pyramide. La personne qui a la vidéo va l'envoyer à des gens qui ont des vues. Les gens qui ont des vues vont la mettre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des vues qui ne veulent pas mettre ces vidéos-là. Parce que leur snap saute, parce qu'on les signale, parce que c'est des putes, parce qu'ils sont pas là pour le peuple. Ils sont là que pour leur intérêt propre. Malgré que c'est le peuple qui les fait vivre. Mais bon, tous les gens que vous suivez, toutes ces personnes-là, syndrome de Stockholm, allez bien vous faire piner. Ils ont raison de vous faire ça et de vous pisser dessus. Je remercie tout le monde, j'aimerais remercier tout le monde de participer à ça. Voilà, vous êtes au top du top. Moi, j'ai des intérêts. Mais moi, même si je les perds, mes intérêts, je m'en bats les couilles. On recommence, on en refera un autre. Ainsi de suite. Comme le phénix, on renaît de ses cendres. Et même pire, j'ai carrément des choses où moi, j'ai été interrogé plusieurs fois par la police parce que j'ai partagé des vidéos qui dénonçaient. Oui, Bassem, tu partages des vidéos. Ouais, et alors? Et alors? Je partage, et alors? Vous voulez qu'on partage quoi? Oui, mais après, il va y avoir des répercussions, mais vous, la police, vous faites quoi? Servez-vous de nous? Regardez-nous quand il y a des trucs comme ça. Des hagras, vous nous regardez, après c'est à vous de faire votre boulot. De ma grand-mère, un jour, j'ai fait quoi? 6 heures de garde à vue? 6 heures de garde à vue. Parce que l'OPJ que j'avais en face de moi, je me suis embrouillé avec lui, je lui ai dit, t'es un incompétent, toi. Qu'est-ce que tu me convoques pour des trucs comme ça? Tu me convoques pour le travail qu'on a fait. Oui, mais ça, c'est pas votre ressort. Quel ressort? Si on attend après vous, hein, eh ben, la personne, elle a le temps de se faire buter 36 fois. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils sont au pied du mur, ils sont là, limite, ils te pointent du doigt parce que t'as rendu service. Ah, ouais, c'était suite à l'affaire de Youssef, dans le 9-5. Vous vous rappelez ce que la THL a fait? Vous vous rappelez ou pas? Non, vous vous rappelez pas, vous. Vous rappelez que du halib, vous. Ouais, ouais, vous vous rappelez la TH quand elle a libéré le pavillon du frère Youssef, 76 ans. 1 an et demi de procédure, il n'y a rien eu. On a envoyé les frères de la TH, alhamdoulilah, en 5 minutes, c'était plié. Oui, mais vous aurez pu, il aurait pu avoir du sang, il aurait pu avoir ci. Suite à ça, on a même parlé de nous à l'Assemblée nationale parce qu'on a fait jurisprudence. Wallah il adim. Wallah. Donc voilà, faut faire les choses bien. Parce que c'est le peuple qui m'a fait. Et parce que je suis au service du peuple. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Big dédicace à vous. Salam alaikum, les gens.